quelle que soit la raison pour laquelle certains abandonnent leur animal de compagnie, impossibilité de prendre correctement soin de lui, déménagement dans un lieu n'acceptant pas les animaux, agressivité, décès, etc. Moins il est tout de même essentiel de venir déposer l'animal dans un refuge. Les raisons ? S'assurer qu'il n'erre pas seul et que l'on puisse prendre soin de lui. En outre, les associations animalières se démènent pour permettre aux chiens et chats qui leur sont remis de trouver un nouveau foyer aimant. Or, hélas, tout le monde ne respecte pas cette démarche et se contente d'abandonner leurs compagnons à quatre pattes sur le bord de la route. Une fourgonnette blanche, une chaîne et un froid glacial. L'histoire qui s'est déroulée il y a plusieurs semaines de cela dans la région de Boston, en Nouvelle-Angleterre, en est un malheureux exemple. En effet, un matin, alors que le personnel du Northeast Animal Shelter arrive, il découvre un berger allemand, Alice, âgé de 6 à 7 ans, solidement attaché devant le refuge. Et la pauvre chienne patiente est là, malgré elle, et dans le froid de l'hiver depuis des heures comme les caméras de surveillance ont pu le confirmer. On y découvre une fourgonnette blanche abandonner la chienne avant de filer à toute vitesse. Un abandon nocturne dans une zone remplie de coyotes. Les travailleurs du refuge ont immédiatement fait entrer Alice pour qu'elle se réchauffe et ont tremblé à l'idée qu'elle aurait fort bien pu être dévorée dans la nuit car comme le rapporte Don Famico, un agent de contrôle des animaux travaillant à Salem, dans le Massachusetts, à 7 News Boston. Toute cette zone ici est remplie de coyotes. La situation aurait pu se dégrader très vite. Et même si elle l'avait échappé belle, la peur et l'abandon faisaient que la chienne se montra très méfiante face à ceux qui tentaient de la sauver et de l'emmener dans ce lieu qui lui était inconnu. Le conducteur activement recherché par la police. Après avoir examiné le berger allemand, il semble qu'elle ait été bien nourrie mais avoir eu peu d'occasion de socialiser dans son ancien foyer. Elle ne portait d'ailleurs ni collier, ni puce et ses oreilles étaient infectées. Néanmoins, le personnel s'estime heureux qu'Alice ait survécu à cette épreuve effrayante et soit actuellement en sécurité au refuge pour animaux. Il recherche actuellement un parent adoptif ou d'accueil désireux de l'aider qu'à se rétablir dans une maison calme. Quant au conducteur coupable de ce crime cruel, il est activement recherché par la police car l'abandon dans de telles circonstances est puni par la loi.